Oh les gars, qu'est-ce que vous faites là? Oh les refs. Oh putain, oui. Wow, apparition, ok. Mais qui êtes-vous? Du coup, qui dit apparition comme ça, dit vidéo, tout simplement. Voilà. Alors, vidéo avec les quoi? Avec le futur, voilà le les gars. Futur, voilà, n'hésitez pas. Vous êtes heureux. Petit abonnement déjà, moi je vous le dis, petit abonnement, petit like, petit commentaire. La vidéo est déjà incroyable. Voilà. Incroyable. Là, elle a même pas commencé à aller. Partagez aussi sur tous ces réseaux. J'ai vraiment partagé sur tous les réseaux et tout. C'est pour eux, c'est cours d'orthophoniste. Ouais, c'est pour moi. Du coup, n'hésitez pas à partager. Du coup, n'hésitez pas à partager pour qu'on puisse louper ces cours d'orthophoniste, c'est vraiment ultra important. Donc, les refs, aujourd'hui, on a une assez grosse vidéo à vous faire. Bah là, vous êtes dans une grosse vidéo, les refs. Voilà, et restez. On a fait avec du cœur et de l'amour. Je vais laisser cet homme vous l'expliquer. Un homme assez grand. Assez sexy. Les gars, vous connaissez, hein? Ah, ça gère fort, hein? Du coup, les gars, qui dit 3ème, parce qu'on est nous sommes en 3ème. Faites pas les rageux, les gars, voilà, nous sommes en 3ème. Donc, qui dit 3ème dit stage, qui dit stage dit vidéo des confitures. Et oui! Voilà, et déjà, stage incroyable. Qui dit vidéo des confitures dit abonnement instantanément, et pouce bleu, et la cloche, voilà. Et partage, voilà. Non, mais voilà, c'est bon. Et comme le commentaire pour dire que la vidéo est incroyable, voilà. Vous abonnez à notre TikTok. Ouais, les énormes confitures, petit TikTok. En description, dans la description. Et l'Instagram, voilà, n'hésitez pas. Du coup, qui dit stage dit où on fait ce stage. Et est-ce qu'on le fait ensemble? Bien sûr qu'on le fait ensemble, bien sûr. Où est-ce qu'on fait ce stage? Où est-ce qu'on fait ce stage? Bah, évidemment, à la gendarmerie nationale. Nationale, parce que, bah, pas. Ouais, nationale, du coup, voilà. Du coup, je vais vous laisser cet homme expliquer un petit peu ce qu'on va faire pendant ce stage, pendant cette semaine de stage de 5 jours, voilà, les amis. Et qu'est-ce que vous allez voir dans cette vidéo? Parce que c'est important. Alors, les refs, c'est vraiment simple. Donc, stage à la gendarmerie nationale en compagnie de cette personne. Donc, je vais vous expliquer en bref un petit peu, voilà, le stage. Qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Alors, entre autres, on va passer ces 5 jours où on va découvrir vraiment pas mal de choses. On va nous présenter énormément de choses. On va, par exemple, aller voir les pompiers, voir des brigades policières, voilà, en tout genre. On va faire une séance de recherche, comment ça s'appelle déjà? De la crime, enfin, genre... Ouais. Bah, j'ai ça juste ici, hop. Mise en situation de scène de crime. On va être mis en situation d'une scène de crime, c'est-à-dire qu'on va être en mode oh, qui a fait ce crime et tout, comme le Cluedo, un petit peu, voilà, mais dans la vraie vie. Exactement, donc on va nous présenter un Cluedo dans la vraie vie, qui a envie de faire ça? Nous, voilà. N'hésitez pas à donner du soutien à la gendarmerie, c'est vraiment des bons, c'est vraiment des bonnes personnes qui sont là pour vous protéger, pour donner du soutien à la France et à nous. Aimez votre pays, soyez pour, pour un coup du monde, j'espère que vous étiez pour la France, pas pour les pays. Bah, pour ceux qui sont français, ça me paraît logique. Logique. Et du coup, n'hésitez pas à donner de la force, voilà, aux forces de l'ordre en tout genre. Et voilà, du coup, on vous laisse sur cette vidéo pour que vous puissiez découvrir un petit peu plus ce qu'on a pu filmer, parce qu'on n'a pas pu tout filmer. Parce que ça, le numéro de Poutine, on n'a pas pu vous le. La code de l'arme nucléaire, on n'a pas pu vous le. Ouais, le malheureusement, mais c'est pas grave, c'est pas. J'ai pleuré longtemps, j'ai pleuré longtemps, mais vas-y, c'était un négociable. Une petite photo. Petite photo du code, non. Vous voulez pas. Je sais pas pourquoi. Ouais. Du coup, voilà, on vous laisse sur la vidéo. La vidéo sera un peu déstructurée, sera dans l'ordre chronologique, mais il y aura pas jour 1, jour 2, etc. Du coup, voilà. Vous allez voir un petit peu de tout, les gars, de tout. Vous allez kiffer, les gars. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas toujours le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire, le petit partage. Et voilà. Sur ce, kiffez, les gars. Du coup, les gars, je vais vous expliquer en quoi consistait la première journée en gendarmerie. Du coup, quand on est arrivé à la gendarmerie, en premier lieu, on a visité toute la gendarmerie, les locaux, et ils nous ont emmenés dehors pour qu'on voit les voitures, les scooters, pour qu'on découvre vraiment ce qu'il y avait dans une gendarmerie et ce qu'on savait pas du coup. Du coup, en deuxième temps, nous avons été dans une salle de classe, où dans cette dernière, nous avons vu un diaporama qui expliquait tout ce qu'il y avait à savoir sur la gendarmerie. C'était vraiment vraiment intéressant car on a appris vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas et que j'ai appris grâce à ça. Du coup les gars, mardi on est allé voir le PSIG, donc c'est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale. Du coup comme vous pouvez le voir sur les photos, ils nous ont montré leur équipement, on a pu les essayer et tout, c'était vraiment super cool. Et ils nous ont surtout expliqué en quoi ça consistait, voilà, le PSIG, etc. Ils nous ont aussi fait une petite intervention. Ils nous ont montré plusieurs types d'interpellations et d'arrestations. Mais malheureusement, on n'avait pas le droit de vous filmer ça. Pour les refs, on vous retrouve là. On est mardi. Et on s'est pris, parce que mardi, tu vois, mardi, c'est le jour où ils se réveillent. Bon là j'espère que vous avez vu un petit peu comment s'est passée la matinée. C'était un petit banger. Et du coup, qui dit mardi dit gros tacos. Quand t'as cause. Ouais. Voilà, du coup, les refs, je vous laisse succuler avec les images qui vont apparaître devant vous. Est-ce qu'ils vont kiffer?
Donc les revoilà, petit tacos, voilà, avec petit coca. C'est vraiment premium mint. Alors vas-y Arthur, dis-nous qu'est-ce que t'as pris. Alors pour la tacos, double tender, tu connais. Ok. C'est ce fromage vert basique. Tranquille. Est-ce qu'il est grand chaud? Il tape un croc. Non, il est. Est-ce qu'il est fini? Il est bien chaud. Il est bien chaud, ok. Voilà. Bon les refs, sur ce, nous, on va grailler nos morts. Que du bonheur, que du plaisir, voilà. On vous aime. En fin de journée, on nous a montré la brigade de recherche et on a relevé l'ADN sur une scène de crime. Puis nous avons scellé les objets sur lesquels on a fait la prise d'ADN. C'était vraiment bien, ils nous ont vraiment bien expliqué comment ils faisaient pour rechercher. Mercredi, ce qu'on a fait, c'était vraiment super intéressant. En premier lieu, on nous a présenté la brigade territoriale. On a pu faire plein de choses, c'était vraiment cool. On a fait pas mal de tests. On a fait des tests pour mesurer le taux d'alcool, qui s'appelle un éthylotest. Nous avons aussi fait un test pour voir si nous avions consommé de la drogue. Test que font les gendarmes aux personnes qu'ils trouvent sur la route, pour voir s'ils sont ivres ou drogués. Et nous avons aussi fait un test pour prendre nos empreintes digitales. Vraiment bien parce qu'on a pu voir avec quoi les gendarmes pouvaient travailler. On a aussi pu visiter plus en détail leurs locaux et on nous a présenté certains véhicules. On roule avec T'as du mal vitesse là. Comment? Et tu vas vite hein. Non. T'es puissant. Ça va ça. Ah ouais, le laser comme ça et on appuie. Ouais. Et puis après on va voir directement la vitesse. Et dans le petit écran que tu ah vois ouais. Au-dessus, là où tu vois. Là. Voilà. Et là tu vois un petit carré. Ça va être affiché. Tu vois un petit carré, pas t'appuyer. Là tu vois un petit carré avec trois petits points en dessous. Ouais. Et en fait, à la place des trois petits points, tu auras la vitesse du véhicule. Oh, là il n'y a pas de vitesse. Mais c'est un pistolet laser de vitesse. C'est ça. C'est un vrai truc hein. Du coup le casque, les gars, il est vraiment vraiment joli. Il y a même des micros pour la radio, il y a les lunettes pour le soleil. Et la grosse visière, elle est vraiment que utile quand ils vont vraiment très vite sur la route. On nous a présenté l'équipement du gendarme moteur. Il nous a montré son équipement, comme le casque que vous venez de voir. La veste, le pantalon, les gants, le radar et tout type de test de contrôle. Un peu partout. Après, on a nos tenues de cérémonie. C'est pas confortable, mais c'est solide. Ah bon, c'est un petit gendarme. En plus, il y a même le grade. Des bottes, c'est des bottes qui sont faites par un maître. Pas pour ça. Et là par contre on nous prend gendarmerie. Vraiment exact des pieds. Le beau gosse. Et t'es prêt? Attends, je vais te mettre en mode supersonique. Attends, c'est le pied. Ici. Là. Là, et ça tu le montes. Ça je le monte? Là ouais. Oh, wow. Oh la classe. Là j'ai un vrai motard. Hop, et là, je baisse. Voilà. Et là, je voilà. Ah. Beau gosse. Merci. Il y a test, éthylotest. Oui, c'est un alcoolique. Hein. Si tu veux le nouveau, faut soit que tu l'aies perdu, soit que tu l'aies fait. Analyse. Tu peux soit que voler et puis. Sinon, tu fais une demande. Oh là 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 là. 15. Ce qu'il y a le tour. Oh là là. 48 grammes, non mais t'as abusé. Hein. C'est des conneries, t'as des. Oh là là. Et Arthur. Toi qui es méchant, capitaine. Les vous gosses, vous rendez pas compte, c'est vraiment archi haut, surtout quand on est en haut. Vraiment, tu tiens juste sur un tout petit truc, toute petite zone. Les gars, 24 mètres. Ouh, ça fait vraiment bizarre. On est vraiment haut. Regardez par rapport au bâtiment. On est qu'à 10 mètres. Les gars, ça fait stresser un peu. Hein. Regardez comment on voit de loin. Regardez comment. 15 mètres. Comment on est bas.
Enfin, comment, ouais, on est haut plutôt. Quand même la ville, hein, on travaille, ça nous permet de travailler sur des points hauts comme ça. On voit bien derrière, demain, s'il y a le feu ou autre chose, nous on peut facilement intervenir là-dedans. Ah, c'est vrai que là, le bâtiment, derrière là, on voit bien vraiment, vraiment bas. Enfin, bas, mais qu'est-ce que je raconte vers le bas. Comment ça, on est bas? Il y a des chaînes qui sont beaucoup plus grandes, hein. Il y en a 25 mètres, on a du 30 mètres, on a du 40 mètres. Franchement, c'est vraiment un petit banger. Du coup, les gars, ce matin, on a fait du tir réduit, c'était vraiment bien. Avec des airsoft, du coup, avec des cibles. C'est, ouais, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment trop bien. Vous allez vous voir ça. Et il nous a présenté aussi plein d'armes. Toutes les armes qu'il utilisait pour trop faire. Mais on a les interventions, des flashballs et tout, des trucs comme ça. Les armes létales et non létales. Un fusil à pompe. Ah, un fusil à pompe. Ouais, flashball, taser, Une non. Un HK. Ouais, un HK. C'est genre c'est un peu comme une PM. Ouais, c'est une MP, c'est une ouais. MP. Et on a pu. C'est une MP, ouais. On a pu MP. Tout toucher et tout, on a pu prendre en main, c'était vraiment cool. Ouais, on a démonté aussi cool. Les pistolets et la HK. Et du coup, les gars, ce midi là, on est le midi, on reprend à 14h. Et du coup, on va vous montrer un peu ce qu'on a pris pour Graille. C'est incroyable. Des petits tacos, les refs. Des petits tacos, c'est. Avec une petite bouteille d'eau. Petite bouteille de coup. Ça y est, pour le dessert, Petite aberdi, voilà. Si, voilà. Il est bien chaud, il est bien frais. De quoi ? Son tacos. Ouverture tacos. Bah, si j'arrive. On va bien en face, tu vois. Voilà. Oh là là. Ouverture, pack opening. Popping. Et là, il y a un kebab. Je déconne. Pas que pudding. Les gars, c'est magnifique. 3,50 kg. On va se péter le bit. Vraiment, ça régale. Ça régale fort. Les gars, moi je vous dis, ça régale, c'est que du bonheur. Moi, faut pas qu'il tombe ce bâtard. S'il tombe, j'ai un peu le son. Du coup, les beaux gosses, j'espère que la vidéo vous aura plu parce que nous on a vraiment kiffé le stage. Ouais, c'est vraiment un petit banger. J'espère que vous trouvez que notre stage est mieux que le vôtre parce que bah, c'est le cas, c'est sûr. Donc voilà, fallait aller en gendarmerie parce que c'est vraiment un gros banger. Ouais, du coup les gars, je vous conseille si vous avez pas fait votre stage de 3ème d'aller le faire en gendarmerie. Il faut être investi. C'est bien important ça. Si vous en foutez, n'y allez pas, mais ouais. Si c'est ça que vous voulez, allez-y parce que c'est un gros banger. Et du coup, dites-nous ce qui si ça vous plaît dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, nous dire si vous avez aimé la vidéo. À vous abonner aussi. Et la partager, voilà. Les gars, partager la vidéo, les gars. Ouais, parce que ça nous a demandé beaucoup de travail. Vraiment. Tous les soirs en rentrant, on a travaillé au moins une heure, je pense. Enfin, on a fait du montage, C'est très très long. Et dites-nous comment vous trouvez le montage parce que c'est un petit banger. Et voilà. Voilà. Du coup, on vous laisse sur ça. Voilà, gros bisous. Gros oubli. Ciao. Free, bring her home, girl, I'm running. She my spicy little mama.